Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ne regardez pas, c'est un peu le bordel chez moi parce qu'en ce moment, avec les fêtes de jour de l'an, je suis en train de faire des tests, donc voilà. Vous voyez comment je suis maquillée. J'ai fait des tests parce que, en fin de compte, voilà, j'ai fait des tests sur celui-ci, la Biguen, le Biguen Makeup. Et je voulais voir ce que ça donnait. Mais je suis pas venue pour vous parler de ça, hein, je tiens à vous préciser. Mais c'était juste voir comment ça rendait quoi le brillant. Parce que bon, je pense que j'ai déjà parlé de ces pailletées, ces paillettes pailletées brillantes de Biguen Makeup. Et je me suis dit, tiens, je vais vous montrer un petit peu. Alors il y a Rose, qui est juste comme ceci. Voilà, hop là. Et puis le doré qui est comme ceci. Voilà, j'en mets partout, mais c'est génial. Je pense que vous voyez le doré déjà. Donc voilà. Et j'en avais pris en blanc, mais je pense que le blanc sera trop. Ça sera peut-être un peu bizarre. Donc celui-ci. Voilà. Qui est pas vraiment facile, mais ça fait un peu. Blanc, violet, voilà, irisé de violet, enfin voilà. Enfin, je suis pas venue pour vous parler de ça aujourd'hui, je suis venue pour vous parler donc de pas mal de petites choses démaquillantes. Et c'est pour ça que je suis là aussi, comme ça vous pouvez voir comment ça donne quand je vais vous présenter donc le produit qui est donc le Arcane Seal. Donc super intelligente, préparée, mais je l'ai mis super loin, donc attendez, je vais le chercher. Voilà, c'est le vrai bordel, hein, ne regardez surtout pas. Donc, je vous disais, j'ai donc reçu Arcane Seal. Donc, celui-là, c'est Arcane Seal démaquillant. Voilà, waterproof, yeux et lèvres. Donc, c'est pour ça que je me suis maquillée comme ça, je vais essayer devant vous le produit qu'ils m'ont envoyé. Donc, voilà. Donc c'est une drôle de forme dedans, je sais pas comment vous expliquer. Bon, c'est pas parfumé déjà, c'est waterproof et ça enrichit avec de l'eau, mais du gingembre. Et vous avez une impression de graisse dedans. Et ce qui est bien dans celui-ci, dans ce produit-là, c'est sensible et bah, les gens qui portent des lentilles peuvent aussi l'utiliser. Donc vraiment, il vaut le coup. Donc c'est l'Arcane Seal démaquillant. Vous voyez, et dès que vous le secouez comme si, comme ceci, il y a tout qui se mélange, voilà, dedans. Et je l'ai déjà testé, essayé, et il est vraiment top du top. Donc voilà, donc ils m'ont envoyé ceci, Arcane Seal. Et il est vraiment nickel. Donc je vais vous le montrer quand je vais me démaquiller devant vous. Ce que j'ai reçu d'autre, donc en parlant toujours d'Arcane Seal, c'est l'Arcane Seal pailleté. Donc je vais vous le montrer. Il est comme ceci. Ce que j'adore, c'est le petit poupouf là, le petit poupouf qui est assez rigolo. Il est assez pratique. Vous voyez, il n'est pas bien gros. Hein. Donc quand vous le mettez, hop, vous prenez comme ceci. Et regardez, ça fait franchement joli. Voilà. Vous voyez les paillettes qui volent en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et c'est Arcane Seal qui fait ça. Donc, ceci est pour donc le visage, le décolleté. Et les cheveux, ce que vous pouvez en mettre sur vos cheveux. Donc c'est vraiment super agréable, super doux. Enfin, c'est très 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 joli. Donc pour les fêtes, là pour le jour de l'an, voilà, vraiment, je le trouve magnifique moi. Il y a d'autres couleurs chez Arcane Seal quand vous allez sur le site. Il y a d'autres couleurs, je crois qu'il y en a peut-être. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 8. Si je dis pas de bêtises, bien sûr, mais je vous mettrai le lien juste en bas pour que vous puissiez aller voir
justement sur leur site au niveau des, comment dire, des petits sprays comme ceci. Et ça s'appelle le Parisien Spray. Et je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà quoi, il est trop mignon. J'adore. Donc, c'est... ça donne son charme, quoi. Voilà. Cherchez le mot. Et quand vous le fermez, c'est comme ceci. Il y a un petit espace pour que vous puissiez le fermer. Mais je trouve ça super mignon. Voilà. Donc, maintenant, on passe au Arc-en-Ciel Mat. Donc, qui est comme ceci. Je ne vais pas trop déformer le nom, mais c'est Mat Hysteria de Paris Arc-en-Ciel. Et le numéro est le 105 rouge Salsa Mat Hysteria. La tenue est donc de 12 heures. Et c'est un liquide mat, quoi. Donc, je vais vous le montrer tout de suite et le poser sur moi. Donc, un instant. Donc, le voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rouge à lèvres est vraiment magnifique. En plus, vous le mettez tout de suite, vous sentez que... comment dire ? Bah que le rouge à lèvres est déjà maintenu, enfin c'est voilà, c'est vraiment très très agréable. Et je pensais pas que voilà, il pouvait faire des rouges à lèvres aussi beaux. Quoi. Je savais que c'était connu, hein, je veux pas dire ça sur Arc-en-Ciel, mais c'est très sec. Voyez. Attendez. Hop, je vous le montre. Voyez, et la tenue est super agréable. Donc franchement, je pensais pas que voilà que ce rouge à lèvres était aussi beau. Alors de là justement, comme ça c'est super. Je vous ai en face comme ça vous verrez. Je vais vous reposer le deuxième rouge que j'ai et vous allez pouvoir voir avec justement l'Arc-en-Ciel démaquillé en waterproof. Comment ça donne? Justement, ça n'abîme pas du tout votre bouche. Et c'est pas sec après. Voilà. Vous appuyez pas comme une folle. Bon, on voit bien que c'est rouge, hein, par contre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il est bien, bien rouge, hein. Donc, je continue après ça, qui est super beau aussi, que j'ai reçu d'Arc-en-Ciel. Et donc, c'est le 515 Brun Twist Matte Hysteria, rouge à lèvres, donc liquide mat toujours, et la tenue est toujours de 12 heures. Donc, je vous le montre tout de suite. Donc voilà. Donc la couleur est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais il tient vraiment très bien. Et ça vous fait une superbe couleur. Moi j'ai pris cette couleur là parce que ça allait avec ma couleur de peau. Ça me fait vraiment les lèvres. Voilà, pour pas trop dépasser. Voilà. M'arrêter de parler un instant. Et donc,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter donc ces couleurs que j'ai reçues d'Arcantil. Franchement, je les trouve magnifiques et les tenues sont très très jolies. Voilà. Le démaquillant waterproof. Et le petit spray parisien qui fait très très classe. Donc voilà. Comme je vous disais, je vais faire aussi le test pour voir comment est le waterproof et que vous voyez bien la différence quand je me démaquille avec. Pour pas que je vous dise de bêtises et que vous voyez correctement. Donc voilà, je suis maquillée au niveau des yeux. Comme vous le voyez, c'était un test. Donc je ne sais pas encore pour les fêtes comment je vais me maquiller. Mais là, c'est juste un test pour que vous puissiez voir ce que fait le waterproof. Voilà. Déjà au premier passage. Vous voyez? C'est vraiment nickel de chez nickel. Donc ça c'est juste le premier passage. Hein. Donc voilà. Deuxième passage, bon, j'ai toujours un peu de paillettes, hein, mais déjà, vous pouvez voir, voilà, au bout de 4 passages, quoi, à peu près. Mais bon, déjà au premier passage, déjà, vous voyez mes yeux démaquillés avec, comment dire, le Arcantil Waterproof, donc démaquillé, donc avec ce produit-là, voilà, et puis, maquillé, quoi. Donc vous voyez la différence, c'est vraiment flagrant. Le rouge à lèvres, toujours présent, magnifique. Couleur, pour moi, franchement, c'est nickel. Il va super bien avec mon teint. Je l'adore, franchement, je l'adore. Je le surkiffe, comme on dit. Franchement, nickel de chez nickel. Donc ces rouges à lèvres, je pense justement passer commande chez Arcantil, encore une fois. Parce que je trouve ça magnifique. Ils me les ont envoyés. Je suis super contente. Merci beaucoup. Et je cours tout de suite aller passer une commande chez eux. Recommander ce rouge à lèvres là qui est magnifique avec mon teint. Comme je me répète encore. Et recommander d'autres rouges à lèvres Arcantil. Parce que ben voilà, c'était des cadeaux. Voilà, donc c'est des cadeaux, vous voyez, offerts par Arcantil. Et franchement, pour tester, et je leur remercie beaucoup. Donc je vais retourner sur leur site et commander encore des rouges à lèvres chez eux, parce que franchement, et puis bien sûr le petit démaquillant là qui est vraiment très très, faut que j'arrête avec mon qui est vraiment extra et super, franchement démaquillant super, je vous le conseille franchement. Donc, je mettrai le lien et comme ça, vous pouvez aller voir sur leur site. Je ne suis pas du tout, avec eux, quoi. Je connaissais pas du tout cette marque et je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, franchement, je vous le conseille, les filles. Voilà. Donc, petit produit de beauté, maquillage... pour commencer l'année et je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous fais des super gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.